Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors on va voir dans cette vidéo, toujours dans le cadre de la leçon les réactions acido-basiques, on va voir l'échelle de pH. Alors pour parler sur le pH, on sait bien que le pH des solutions aqueuses, elle est déjà bornée ou bien varée entre des solutions aqueuses, varée entre 0 et 14. Entre 0 et 14. D'accord? Alors la nature acide basique est neutre de pH d'une solution, pardon, dépend de pH d'une solution dépend de pH. De pH, d'accord. Alors pour une solution neutre, alors le pH, la concentration, pardon, de H3 au plus est égale à la concentration des ions H au moins. Alors cela va donner que le pH est égal à pKe sur 2. Alors, à une température égale à 25 degrés C, on a déjà montré dans la vidéo précédente que pKe est égal à 14. D'accord? Cela veut dire que le pH est égal à 7. C'est clair? Et pour une solution qui est acide, alors dans ce cas, les ions H3 au plus sont majoritaires, c'est-à-dire la concentration de H3+ supérieure à la concentration de H au moins. C'est-à-dire le pH est inférieur à la valeur pKe sur 2. Alors, pH inférieur à 7. Et pour une solution basique, alors la concentration de H3+ est mi minoritaire, c'est-à-dire inférieure à la concentration de H au moins, c'est-à-dire pH, il est supérieur à pKe sur 2, c'est-à-dire pH supérieur à 7. Maintenant, on peut faire l'échelle de pH. Voilà, on a une droite de pH. Alors, il varie entre 0 et 14. Au milieu, on a 7. Alors, pour pH est égal à 7, on a une solution, bien sûr, neutre. Pour ce domaine-là, ou bien cette zone-là, c'est une solution, on a une solution basique. Et pour les valeurs de pH inférieures à 7, on a une solution acide. C'est clair? Et c'est-à-dire, ici, on a la concentration de H3 au plus supérieure à la concentration des ions H au moins. Et dans l'autre côté, les ions H au moins qui est supérieur à la concentration des ions H3 au plus. Au milieu, bien sûr, dans la solution neutre, on a la concentration de H au moins est égale à la concentration de H3 au plus. Et voilà, c'est ça l'échelle de pH. Merci pour votre attention, n'oubliez pas d'abonner et partagez aussi la vidéo avec vos camarades. Au revoir et bon courage.